Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce live en coulisses. Je suis Sarah de chez Chance et aujourd'hui nous allons découvrir plus en détail le métier de chargée de gestion des carrières avec Diana. Petit point, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions pour qu'elles ne soient pas perdues dans le chat. Donc voilà, vous avez un onglet vraiment spécifique pour les questions et on y répondra avec Diana pendant ces 30 prochaines minutes. Bonjour. Ah, bonjour, excuse-moi. En introduction, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Chance, nous sommes un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour aider chacun à trouver sa juste place dans le monde du travail et pour redonner du sens à son travail. Dans le parcours Chance, on a plusieurs phases, dont l'exploration. Et c'est ce que nous vous proposons cette semaine, c'est d'explorer. Et aujourd'hui, nous allons explorer le métier de chargée de gestion des carrières avec Diana. Diana, merci beaucoup d'accepter de participer à ce live en nous présentant ton métier et en nous permettant de l'explorer. Alors, Diana, je t'invite à te présenter et à nous parler un peu plus de ton parcours. Tu es chargée de gestion des carrières aujourd'hui. Comment es-tu arrivée là? Merci Sarah. Alors oui, bonjour à tous et à toutes. Je vois, vous avez pas mal de personnes dans le chat, donc c'est super. Donc je m'appelle Diana Madei, j'ai 27 ans et je suis effectivement donc actuellement chargée de gestion des carrières pour l'entreprise Brico Dépôt. Alors avant ça, j'ai eu un parcours qui était un petit peu différent en tout cas des parcours en ressources humaines qu'on peut trouver habituellement. Je suis issue d'un cursus en sciences sociales, parce que j'ai commencé donc après mon bac L par une licence de psychologie. Donc j'étais vraiment à la base, je souhaitais être psychologue dans la psychologie clinique, hein, donc voilà dans les hôpitaux, dans les hôpitaux psychiatriques. Donc voilà, c'était plus ce sur quoi je me dirigeais à la base. Ensuite, j'ai eu ma licence, tout s'est très bien passé, hein, pour le coup, c'est un domaine que j'appréciais beaucoup, que j'apprécie toujours beaucoup. J'ai enchaîné du coup sur mon master. Donc je fais 2 ans de master 1. J'ai souhaité prendre mon temps pour pouvoir passer ces étapes-là. J'étais dans un environnement qui était dans la protection judiciaire de la jeunesse, donc qui était assez lourd pour le coup au niveau de ce que je pouvais, enfin ce à quoi je pouvais être confrontée. Concrètement, c'est aussi les enseignements que j'en ai tirés par la suite. Mais voilà, c'était des choses qui étaient assez lourdes à porter pour moi, avec une grosse introspection, ce que ça pouvait me renvoyer également. Donc pour le coup, j'ai décidé d'arrêter la psychologie. Mon dernier stage a été effectué à la prison de Fleury-Mérogis. Et voilà, j'étais un peu dans une période de ma vie où j'avais besoin d'une transition, de changer, d'avoir aussi du renouveau, hein. C'est pour ça que voilà, je disais que mon parcours n'était pas forcément semblable à tous ceux qui ont pu faire des ressources humaines aujourd'hui. Et en fait, je me suis dirigée après cela sur donc les ressources humaines. Alors c'est vrai que hein, j'anticipe un petit peu les futures questions, mais voilà, j'ai fait des rencontres qui étaient très importantes pour le coup pour moi, parce qu'à côté de ce cursus en psychologie, en fait, j'ai été donc pendant 6 ans, j'ai travaillé en tant qu'employé étudiant à Carrefour, et donc voilà, j'ai été hôtesse de caisse, hôtesse d'accueil, et donc c'est au travers des rencontres que j'ai pu faire justement à Carrefour que je me suis dirigée après vers un cursus de ressources humaines. Et donc après, j'ai refait mes études. Donc j'ai repris un master 1 et 2 au niveau des ressources humaines en alternance cette fois-ci. Et c'est comme ça que je suis rentrée à Brico Dépôt, du coup, en tant qu'assistante recrutement dans un premier temps, donc pendant 2 ans. Et depuis, du coup, l'année dernière, Brico Dépôt m'a proposé du coup un CDI au niveau de la gestion des carrières. Donc voilà, encore une fois, un changement au niveau des périmètres, mais tout aussi intéressant. Et j'aurai l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails par la suite. Mais en tout cas, voilà pour les premières étapes de mon parcours. Super, merci beaucoup pour ce partage. C'est chouette de voir enfin, voilà, ton parcours, tes différents choix. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce métier en particulier? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? Alors pour le coup, je suis arrivée dans les ressources humaines, je n'y connaissais rien, hein. Comme j'expliquais, c'est vrai que j'étais vraiment dans la psychopathologie psychanalytique, donc j'avais même pas cette dimension de psychologie du travail. J'étais vraiment dans l'accompagnement de soins, dans de la thérapie. Donc je ne connaissais pas vraiment tout cet environnement de ressources humaines. Et donc cette personne que j'ai rencontrée, qui s'appelle Philippe pour le coup, qui lui travaillait dans la formation.
m'a contacté en me disant, mais Diana, moi je pense que tu te trompes de voix. Alors c'est pas vraiment trompé, mais en tout cas c'est comme ça qu'il me l'a dit, en me disant, au niveau de ton contact humain, au niveau de ton empathie, puisque c'était uniquement des observations liées dans mon domaine de travail en fait, quelque part, hein, c'était derrière ma caisse, c'était derrière mon comptoir, et il m'a vraiment dit, enfin voilà, pour moi tu devrais te diriger vers les ressources humaines. Et comme j'expliquais, voilà, j'étais dans une transition où je me cherchais un petit peu, et donc je me suis dit pourquoi pas finalement pouvoir découvrir ce champ des ressources humaines qui pour moi était très restreint à la base, où c'était des personnes qui prennent des décisions quelque part dans des magasins ou en tout cas dans des structures, des entreprises. Et j'ai été très surprise lors de mes échanges avec lui de découvrir tous les champs en fait reliés aux ressources humaines, donc que ce soit de la formation, du recrutement, de la gestion des carrières, de la paye. En fait, c'est vrai qu'on a des postes généralistes au niveau des ressources humaines, mais on a aussi des postes avec des spécificités. Et c'est vrai que lorsque j'ai candidaté pour mon alternance à Brico Dépôt, avec cette porte d'entrée hein, qui était pour moi le recrutement, j'ai vraiment vu ce lien quelque part avec la psychologie, parce que quelque part c'est aussi quelque chose qui est pour moi en filigrane, dans le sens où c'est le contact avec l'autre, c'est connaître la personne. Alors on n'a pas cette partie introspection, mais c'est surtout le lien à l'autre qui primait pour moi. Et donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers du recrutement. Alors avec quelques doutes, quelques craintes, quelques peurs, parce que outre le secteur de la grande distribution que je connaissais, mais en tant qu'hôtesse de caisse et d'accueil, je ne connaissais pas vraiment le fonctionnement d'une grande entreprise. Et on m'a donné ma chance. Alors, c'est un beau mot, je pense que je l'ai dit plusieurs fois. Mais on m'a donné ma chance. Sandrine Langlois, à l'époque, qui était ma manager, malgré un cursus qui n'était pas du tout destiné au premier abord à du recrutement, avec des stages dans des prisons, ce genre de choses-là, c'est pas quelque chose qui tilte au niveau des yeux, mais effectivement, elle m'a donné ma chance de pouvoir intégrer Brico Dépôt au niveau du service recrutement, et comme quoi, voilà, les compétences techniques s'apprennent, mais on a aussi tout ce qui est de l'ordre des compétences comportementales et des soft skills qui, elles, sont quelque part innées et pas propres à chacun des métiers. Super. Tu as évoqué quelques peurs. Quelles ont été tes hésitations majeures ou qu'est-ce qui t'a voilà qu'est-ce qui quelles peurs en fait tu avais et comment tu les as surmontées? Alors au niveau des peurs, c'était plus par rapport au nouvel environnement, parce que j'ai été quand même pendant 6 ans dans un domaine psychologique, dans un cursus psychologique, et donc de pouvoir recommencer en alternance, dans une entreprise que je ne connaissais pas, parce que concrètement, hein, dans les faits, j'ai juste connu Carrefour dans mon environnement professionnel. Et donc, de pouvoir vraiment changer du tout au tout, encore une fois, hein, dans cette période de transition qui était nécessaire pour moi. J'avais besoin aussi de tourner la page sur beaucoup de choses. Et donc, les craintes, hein, la crainte de l'inconnu, la crainte aussi de savoir si j'étais capable, parce que c'est aussi quelque chose qui quelque part était dans ma tête en me disant mais attends, tu es en train de changer complètement, parce que pour moi c'était un vrai changement. Aujourd'hui je vois que les liens sont très restreints, enfin il y a beaucoup de liens en tout cas entre ces deux domaines là mais au début voilà je me disais vraiment mais peut-être que ça va pas fonctionner et peut-être que t'en as pas les compétences, parce que voilà je suis de nature assez assez douteuse envers mes propres capacités et quelque part mon environnement à cette époque-là, donc familial mais aussi professionnel, avec cette fameuse personne de Philippe et puis mon ancien manager de l'époque, m'ont vraiment motivée et m'ont montré que c'était possible en fait. C'est vraiment de se dire, encore une fois, voilà, les compétences techniques, c'est des choses qui s'acquièrent. Des changements, il y en a tout le temps, c'est constant. Et ce n'est pas parce qu'on change de domaine ou on change de domaine d'expertise, en tout cas, qu'on n'aura pas une finalité qui est belle à la fin. Et aujourd'hui, je le vois, j'ai été transformée en alternance au niveau du CDI. J'ai encore changé de périmètre sur un domaine que je ne connaissais pas non plus. Donc voilà, c'est vraiment des craintes qui, au fur et à mesure, ont pu s'estomper. C'est ça, exactement. Super. Alors, on a des questions dans le chat. Une question de Magali. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Bien sûr. C'est vrai qu'alors, qu'est-ce qu'on met derrière le terme de gestion des carrières ? C'est un peu, même je dirais barbare au niveau du terme gestion, parce qu'en soi, voilà, c'est plus de l'accompagnement de carrière. Je trouve ça plus joli et plus entendable. Mais en fait, derrière la gestion des carrières, ce qu'on entend, c'est surtout 3 piliers. Donc, un pilier qui part de l'identification de potentiel, donc sur
tous les collègues qu'on peut avoir au sein de Brico Dépôt, bah, qu'est-ce qu'on va aller déceler chez eux, donc en termes de compétences techniques ou en termes de soft skills, mais c'est finalement comment est-ce qu'on identifie un potentiel. Après, on a le deuxième pan donc, qui est développer, comment est-ce qu'on développe ce potentiel du coup pour chacun de nos collègues. Et après, on a le troisième pan qui est la fidélisation, donc comment est-ce qu'on fidélise ses talents. Et donc, c'est vraiment, en fait, si vous voulez, des outils qui vont nous permettre, au travers de ces trois pans, de pouvoir développer nos collègues, parce que pour le coup, c'est vraiment ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait que j'aime mon métier aujourd'hui. C'est le fait de pouvoir les accompagner dans leur carrière professionnelle, donc en termes de mobilité professionnelle, en termes de souhait de formation, en termes de bilan de compétences, comme vous pouvez en proscrire. Mais voilà, c'est vraiment de pouvoir les accompagner dans leur exploration professionnelle, dans leur réflexion, pour leur permettre quelque part de réaliser leur projet professionnel. Super. Est-ce que tu peux aller un peu plus en détail et nous décrire par exemple une journée type? Et est-ce que par exemple dans ton type de poste, le télétravail est aussi possible? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que dans les fonctions support à Brico Dépôt, nous avons donc un accord télétravail donc, qui permet le télétravail. Donc après, c'est vrai que ça dépend des envies de chacun. Moi, je sais que j'aime plutôt être au contact directement sur site. Et en tout cas, voilà, je suis aussi à proximité. Donc, quelque part, le télétravail n'est pas une obligation pour moi ou en tout cas quelque chose qui me complaît. Au contraire, voilà, dans cette optique de lien à l'autre. Enfin, bref, voilà, je ferme la parenthèse. Mais du coup, pour une journée type, alors c'est jamais pareil. En fait, la particularité de la gestion des carrières, c'est qu'on travaille beaucoup en mode projet. Donc, ce n'est pas des activités opérationnelles récurrentes tous les jours. On a un cycle RH, donc avec plusieurs activités tout au long de l'année, donc qui, elles, sont récurrentes effectivement, mais c'est en perspective annuelle. Et donc, en fait, chaque journée est différente. Ça va dépendre des projets qui nous animent. En ce moment, on est sur la synthèse de ce qui va être la campagne des entretiens annuels, pour vous parler un peu plus technique, mais voilà, ces obligations donc de l'employeur sur l'entretien professionnel et l'entretien individuel pour faire le point sur l'année. Donc, par exemple, voilà, c'est ce qui m'anime en ce moment. Et donc, ça va être vraiment de pouvoir faire la synthèse de tous les souhaits des collaborateurs en termes de formation, en termes d'accompagnement sur leur bilan de l'année. Comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux? Encore une fois, voilà, hein, c'est vraiment ce mot-là qui revient tout le temps, mais comment on peut les accompagner au mieux sur leur projection à N+1. Donc ça, c'est ce qui m'anime en ce moment, mais on va avoir d'autres dispositifs tels que des development centers, si je peux rentrer un peu plus aussi en détail, Sarah. Un development center, concrètement, pour vous donner un peu plus de visibilité sur mon quotidien, c'est lorsqu'on a une mobilité qui est validée, donc pour ce qu'on appelle, nous, un chef de secteur commerce au niveau de notre magasin qui souhaite devenir directeur de magasin, donc le niveau du dessus, on va lui faire des mises en situation sur une journée pour pouvoir lui écrire un plan d'accompagnement personnalisé. Donc là aussi, on est toujours dans l'accompagnement, mais finalement, voilà, de pouvoir, au travers de ces mises en situation, identifier des axes d'amélioration, ses points forts, ses points d'appui, et de pouvoir co-construire un plan d'accompagnement pour une prise de poste réussie et avec laquelle il sera le plus à l'aise possible. Donc voilà, on n'a pas de journée type, ça va vraiment dépendre du moment et de ce sur quoi on est sur le talent management et la gestion des carrières. Donc voilà, c'est très variable. Super. On a une question de la part d'Élise. Bonjour Diana, saurais-tu nous dire quel type d'entreprise propose ces postes? Tu parles de la grande distribution, sais-tu si c'est également quelque chose qui existe dans d'autres domaines? Alors, pour le coup, oui, c'est vrai qu'en fait, ça va dépendre aussi de la structure de l'entreprise. C'est vrai qu'on va, enfin, quand on est plus sur des petites entreprises, c'est vrai qu'on aura tendance à avoir des postes de généralistes au niveau des ressources humaines. Et donc, effectivement, hein, on aura une personne qui se charge et à la fois de la formation et à la fois de la gestion des carrières et à la fois du recrutement. Et sur des structures qui vont être un peu plus grosses, c'est vrai que du coup, ça demande un peu plus de spécialisation au niveau des ressources humaines, parce que tout simplement, hein, une personne ne peut pas gérer, enfin nous à Brico Dépôt, on est 9000, ne peut pas gérer tous les pans des ressources humaines. Donc c'est là où on va peut-être effectivement avoir des spécialisations en termes de ressources humaines. Donc, outre que la grande distribution, effectivement, hein, on parle aussi de chargés de mobilité, alors mobilité internationale ou nationale. On a aussi, en fait, sous la casquette du développement, chargé de développement RH, on peut avoir cette casquette finalement de mobilité et d'accompagnement des collaborateurs. Merci. On a une nouvelle question de la part de Mathilde. Possible d'arriver à ce métier sans formation ni expérience dans ce domaine? Alors,
Quelque part, j'ai envie de dire oui. Enfin, j'ai la formation des ressources humaines où effectivement, enfin là, je parle de mon expérience, hein, mais j'ai donc mon master 2 en ressources humaines où effectivement, on a un bagage scolaire théorique sur les ressources humaines. Et effectivement, par contre, j'ai pris mon poste au niveau de la gestion des carrières en n'ayant pas de compétences techniques propres aux fonctions que j'allais étudier. Donc, effectivement, ce sont des choses qui s'apprennent. Alors, je pense qu'il est nécessaire, par contre, d'avoir un bagage de formation théorique. Mais ça, dans toutes les ressources humaines, hein, c'est vrai que, enfin, qu'on fasse de la paye ou de la formation, ou, enfin, voilà, il faut quand même avoir un certain bagage théorique. Et après, pour ce qui est de la technique, pour le coup, c'est des choses, encore une fois, qui s'acquièrent et des choses qui s'écrivent. Si d'un bilan de compétences ou ben, voilà, de ce genre de choses-là, ce sont des métiers qui ressortent. Effectivement, quelqu'un qui n'est pas issu du domaine RH et qui n'a jamais pu pratiquer ce type d'activité professionnelle, ça va être compliqué du jour au lendemain de pouvoir obtenir ce type de poste. Après, en passant par un biais de formation, en passant par de l'alternance, avec beaucoup de dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui au niveau de l'État sur l'employabilité. Moi, pour le coup, il n'y a pas de. Je vois pas de. C'est pas un non si on apporte le bagage qu'il y a à proximité. Ça marche. Merci. On a une nouvelle question de Lydie. Comment peux-tu accompagner les collaborateurs au mieux, sachant que tu n'as pas l'expertise de tous les métiers de l'entreprise? Te bases-tu sur les feedbacks des managers? Es-tu formé à tous les métiers de ton entreprise? Alors, c'est une bonne question pour le coup. C'est vrai que je ne suis peut-être pas rentrée dans les détails au niveau de l'organisation. Tout ça, ce sont des, enfin, tous les accompagnements que je peux faire avec les collaborateurs, ce sont des choses qui ne dépendent pas uniquement de mon poste. C'est-à-dire qu'on va être en lien au niveau de Brico Dépôt avec la responsable des ressources humaines du périmètre. Je prends un exemple très concret, hein, une personne qui est aujourd'hui en supply chain, qui souhaite aller sur du commerce. Et ben on va avoir donc moi je vais intervenir dans le process. La responsable des ressources humaines qui elle a dans son périmètre la direction supply chain et la responsable des ressources humaines qui a dans son périmètre la direction commerciale va pouvoir du coup enfin on va pouvoir tous les trois faire le lien finalement sur le besoin du collaborateur et sur ses envies. On va être aussi en lien avec les managers parce que on a la partie besoin d'entreprise qui rentre aussi en compte, parce qu'on a la partie projet collaborateur auquel on essaye de répondre au mieux, mais on a aussi la partie besoin d'entreprise qui rentre également en ligne de compte et de pouvoir au mieux aligner les deux. Mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui rentrent dans ce process-là au niveau des ressources humaines et au niveau des directions concernées. Super, merci beaucoup Diana. Quelles sont pour toi les grandes qualités d'une chargée de gestion de carrière? Alors, je vais parler de manière générique, je vais pas trop ramener les choses à moi, mais pour le coup, je pense que l'empathie, l'écoute, et c'est des choses qui sont très importantes. C'est vrai que l'écoute active pour comprendre au mieux, en fait, quelque part, le besoin du collaborateur, son envie de pouvoir être 100% avec lui et de l'aiguiller dans son projet. C'est vraiment ouais, ce qui est important. Je pense que ouais, là, en tout cas, plus grand, ça serait l'écoute et de pouvoir actionner les bons leviers au bon moment, que ce soit pour le collègue ou pour l'entreprise. Encore une fois, on est toujours dans cette optique-là. Mais l'écoute est très importante et puis pouvoir se rendre disponible aussi. C'est vrai qu'au niveau de la gestion des carrières, on n'a pas de lien hiérarchique. Quelque part. On n'a pas de lien hiérarchique avec ses collaborateurs en question, avec les managers. Donc, c'est pour ça que ça permet aussi à nos collègues de pouvoir se confier à nous sur leurs désirs, sur leurs projets, sur ce qu'ils souhaitent. Et donc, ça aussi, c'est très important d'être disponible. On a un commentaire, alors ce n'est pas une question, mais un très beau commentaire de la part de Mélanie. Tu as vraiment l'air passionnée par ton travail. C'est super de voir tant d'enthousiasme, plein de réussite. Merci beaucoup, Mélanie. Qu'est-ce qui fait, dans quoi est-ce que tu trouves le sens aujourd'hui dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce qui fait que tu te sens alignée avec ce poste?
Ça, je pense que c'est quelque chose qui est même propre à ma vie personnelle, c'est que j'adore, en tout cas, c'est ce qui m'anime, aider les personnes, que ce soit en termes perso ou pro, hein, pour le coup, c'est des choses qui sont vraiment dans les deux pans et je pense intrinsèques à ma personnalité, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et au travers de mes missions, c'est des choses que je peux faire. Finalement, alors je rentre pas dans les détails de toutes les missions, mais c'est vraiment ce qui fait qu'aujourd'hui je suis épanouie dans mon travail, c'est que je peux, au travers de mes missions, faire en sorte que les personnes avec lesquelles, enfin les personnes que j'aide, soient également heureuses dans leur travail. C'est vrai que enfin quelque part, c'est la finalité, ça dépasse le cadre de l'entreprise en fait quelque part. C'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui aider une personne, qu'on ne connaît pas, qu'on sera amené à connaître, à pouvoir réaliser un rêve vers lequel il tend. Et donc voilà, ça fait un peu idyllique et même peut-être dessin animé, mais en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et c'est ce qui m'anime pour le coup au quotidien. Merci beaucoup. C'est marrant que tu aies utilisé finalité chez Chance, dans le bilan de compétences Chance. Notre méthode se base sur sur les quatre piliers qu'on appelle FEMI. Donc le premier, c'est la finalité, FNIT, ce qu'on a envie d'apporter dans le monde. Le deuxième, c'est l'environnement, le type de structure, le type d'équipe qui nous correspond le plus. Ensuite, on a le M pour métier. Donc là, on est sur les tâches qu'on fait au quotidien. Ensuite, sur les impératifs, donc ça peut être les impératifs géographiques, financiers ou autres. Et c'est vraiment voilà, le cœur de notre méthode Chance. Donc voilà, la finalité, comme tu l'as mentionné aussi, est très importante pour pouvoir se sentir aligné et motivé dans son travail tous les jours. Est-ce que tu aurais des conseils? Tu nous as partagé en début de live que tu as eu une période de doute. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes justement qui sont elles-mêmes aujourd'hui en période de doute? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ou qu'est-ce qui a été vraiment un déclencheur pour toi dans cette période-là? J'ai presque envie de dire que quand on commence à avoir des doutes et qu'on commence à réfléchir, c'est un peu la première marche de cet escalier qui nous mènera vers un environnement qui sera plus viable et plus acceptable pour nous. Aujourd'hui, on sait qu'on a beaucoup d'accompagnement, de dispositifs externes qui sont possibles pour nous aider dans notre réflexion. À partir du moment où ça devient peut-être trop compliqué de réfléchir à une personne, pourquoi pas un peu ouvrir les scopes et faire appel à des organismes, hein, tels que vous ou tels que enfin voilà, en tout cas, je pense principalement, j'ai envie de dire, mais c'est vrai qu'on peut être accompagné, en fait, quelque part, c'est ça. C'est que si jamais ça devient trop, trop difficile de pouvoir poser les choses, parce qu'aujourd'hui, on a pléthore de métiers, on a pléthore de domaines, on a pléthore de. Enfin voilà, c'est vraiment. On n'est pas destiné à un métier dans notre vie, à part si on a le coup de cœur, ce qui est possible hein, pour le coup. Mais aujourd'hui, on voit hein, dans les réalités qui s'opèrent en ce moment, post-Covid, enfin, on est dans une période qui est assez charnière en termes d'expérience professionnelle. Et je pense qu'à partir du moment où on a des doutes qui deviennent. Compliqué au niveau de son projet professionnel, si on ne se sent plus épanoui au travail, si on y va avec la boule au ventre, parce qu'aujourd'hui, ce sont des réalités, il y a vraiment ça qui peuvent s'opérer dans certains métiers. Il faut faire la démarche, outre cette introspection hein, qui est parfois nécessaire, mais aussi de pouvoir se faire aider par des organismes externes sur quelque part, qu'est-ce que j'attends en fait de ma vie. Aujourd'hui, on passe. La plupart de nos journées au travail, ça va être ça jusqu'à notre retraite. Donc, il vaut mieux qu'on prenne un maximum de plaisir dans ce qu'on fait. Et c'est vraiment le but. Donc, c'est vrai que oui, des doutes, j'en ai eu. J'ai été aidée. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas forcément où je serais sans Philippe, sans Sandrine, sans ma famille qui a été aussi moteur. Et donc, je pense qu'il ne faut pas. Il faut pas lésiner sur l'aide qu'on pourrait nous apporter, que ce soit familiale et professionnelle. Et puis j'ai envie de dire, Sandrine qui me disait une très belle expression, quelque part, tout notre entourage est un citron et qu'il faut presser un maximum ce citron, en fait, de récupérer tout le jus qu'on peut prendre et puis faire les choses à notre sauce, si je peux parler comme ça. Mais en tout cas, c'est pour cette image que je me répète souvent. Voilà, il faut s'aider de son environnement, qu'importe l'environnement professionnel ou personnel, et pouvoir arriver à ce qu'on souhaite, en tout cas. Super, merci beaucoup Diana. On a une question de la part de Anne. Il est parfois difficile d'acquérir de l'expérience après une formation théorique. Une immersion en entreprise peut-elle être valorisante pour un employeur? Complètement.
Complètement, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu au travers de la psychologie. Quand on était, enfin, quand on cherche rien qu'un stage, c'est très compliqué quand on n'a pas d'expérience professionnelle. Et après, la partie théorique, effectivement, de rentrer dans le milieu professionnel, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'on le voit, enfin, je l'ai vu au travers de l'alternance, au niveau de mes fonctions, au niveau du recrutement. Bah, les candidats démultiplient les CV et on envoie des centaines pour au final avoir des refus. Donc effectivement, de pouvoir faire des périodes d'immersion en entreprise peut, enfin en stage hein, pour le coup, peut vraiment vous aider au travers de ces recherches-là. Et puis après aussi, c'est la mentalité aussi de certaines entreprises, en tout cas comme Brico Dépôt. Brico Dépôt, moi, m'a donné ma chance alors que je n'avais aucune expérience. Et donc, je pense que c'est aussi une rencontre entre bah, des managers au sein d'une entreprise qui, eux, sont plutôt ouverts, qui décèlent quelque chose en vous qui n'a pas de rapport forcément avec des compétences techniques, mais peut-être une envie, peut-être votre manière aussi de vous présenter, de montrer l'envie que vous avez pour tel poste. Mais voilà, en tout cas, effectivement, de pouvoir faire des stages ou faire des rencontres aussi, hein, juste des rencontres, de savoir bah, se renseigner sur tel ou tel métier pour apporter aussi quelques éléments contextuels et factuels sur votre discours lorsque vous ferez des entretiens. Mais voilà, en tout cas, d'essayer de forcer un peu les portes quelque part si on souhaite vous les fermer. Merci Diana. Ça fait une bonne transition avec la communauté Chance. Comme vous le savez, Chance, c'est aussi une communauté d'entraide. Et quand vous faites le bilan de compétences Chance, vous avez accès à cette communauté, vous avez accès à un réseau que vous n'aviez peut-être pas dans votre cercle aujourd'hui. Donc c'est vraiment comme tu le dis, le réseau et la communauté, c'est une grande force pour pouvoir ouvrir le champ des possibles de sa future vie professionnelle. Alors il nous reste quelques minutes. On a une question de la part de Lydie. Quels sont les points mission que tu apprécies le moins dans ton quotidien professionnel? Alors, oui, point mission, je dirais que ce sont des choses qui doivent être faites, je les fais, mais effectivement, ce n'est pas une partie de plaisir, mais c'est quand je suis peut-être plus face à des tableaux, des compilations de données, parce que c'est aussi une partie du métier, hein, tout n'est pas toujours rose, je ne peux pas être en contact tout le temps avec mes collègues et les aider dans leur exploration. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, si je dois dire, une des choses qui, en tout cas, m'éclate un petit peu moins, c'est le fait d'être effectivement face à des grilles, où aujourd'hui, bah, voilà, il y a aussi beaucoup de statistiques, hein, au niveau de mon périmètre, hein, que ce soit en termes de campagne des entretiens annuels, en termes de, voilà, de revue de tous les collègues de l'entreprise. Mais donc voilà, c'est plus cette partie, on va dire, un peu plus statistique, mais qui est nécessaire aujourd'hui dans mon métier. Merci Diana. On a un commentaire de la part de Lydia. Ce métier est fait pour toi, vouloir aider la personne et être si à l'aise dans une interview sont deux points très forts. Bravo pour ta grande motivation. Tu as l'air très épanouie dans ton travail. Merci, Lydia. On arrive à la fin de ce live. Est-ce qu'il y a un dernier mot, Diana, une dernière chose que tu voudrais nous partager? Oui, alors je ne sais pas si en tout cas ça a pu vous donner envie sur ce métier-là proprement, mais en tout cas, mon message, c'est surtout de dire qu'aujourd'hui, il faut oser. Je parlais des portes tout à l'heure à enfoncer. Si vous êtes sur ce live, c'est aussi que bah, quelque part vous êtes intéressé et vous cherchez encore peut-être votre voie et tout n'est pas perdu. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de moment. C'est pas en sortie d'études. Ça peut être 10, 20, 30 ans après. Enfin, voilà, tout est à votre hauteur, en tout cas, voilà. Qu'importe le rêve, qu'importe l'envie, l'ambition, il faut se donner les moyens. Et à partir du moment où on se donne les moyens, on peut faire que de belles choses. Super. Merci beaucoup, Diana. Merci à toutes et à tous pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Très bonne journée. À bientôt.